c'est une première mondiale. Jamais, jamais, une exposition d'une telle ampleur n'a été consacrée aux chrétiens d'Orient. 2000 ans d'histoire. C'était d'ailleurs une étrangeté, une bizarrerie. Pourquoi aucune exposition d'envergure sur une religion qui est l'une des composantes du monde arabe et qui a joué et joue un tel rôle historique. Donc nous voulions réparer cette lacune. On est ici devant l'œuvre certainement la plus émouvante, si ce n'est la plus importante de l'exposition, par son ancienneté. Elle représente le Christ guérissant le paralytique. On voit le Christ ici qui dit au paralytique couché sur son lit, lève-toi et marche. Et effectivement, le paralytique est guéri, il se lève, il prend sa couche et il part. Alors ces fresques ont été retrouvées dans la ville de Doura Europos, l'actuel Deir ez-Zor en Syrie. Et il s'agit d'une fouille franco-britannique, franco-américaine. Et elles sont conservées à l'université de Yale. Et c'est la première fois qu'elles sortent, qu'elles viennent en Europe. Et nous sommes ici vraiment au tout début du monde d'image chrétien. On n'a pas d'image antérieure. Et c'est donc la première fois qu'on voit une représentation du Christ. Et on est presque en contact avec les toutes premières communautés. Alors, c'est vrai qu'on a un parcours artistique de 2000 ans, avec des œuvres de l'Antiquité, des œuvres médiévales, des œuvres de l'époque ottomane et des créations artistiques contemporaines. Et effectivement, on a la chance de présenter des trésors grâce à une sélection très fine. Ces trésors sont prêtés par les plus grands musées du monde, le Louvre, le Met, le British Museum, les musées de Berlin, musée de Beyrouth. Et ce sont des trésors d'orfèvrerie, des manuscrits du 6e dans des états de conservation tout à fait étonnants. Si l'Irak va bien, les chrétiens d'Irak iront bien. Si l'Irak se disloque, les chrétiens seront menacés et iront mal. Par conséquent, nous ne devons pas envisager la minorité chrétienne comme une sorte de bulle qui vivrait ses souffrances ou son bien-être indépendamment du pays. Ce sont des acteurs du pays, ce sont des citoyens du pays, je le rappelle, je le répète, ils ont un rôle social considérable dans l'éducation, dans la santé, dans la médiation sociale. Et donc, ces pays seraient extrêmement appauvris sans ces communautés, mais leur sort est lié.